Hey, salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de America. Il y a eu quelques mises à jour. J'ai pas trop regardé, mais il y a pas mal de choses qui a changé. Donc l'inventaire qui a bien changé. Donc on peut voir les matériaux, les ingrédients. C'est vraiment plus simple pour ranger un petit peu tout ça quand même. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Nous avons le craft ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux crafter des choses sur moi? Je pense que oui. Ça, c'est ce que je peux crafter maintenant sur moi. Je pense, hein, je pense. Je suis pas totalement sûr, mais je pense. Ok. Caractéristique du personnage, ça c'est bon. Les points de vie, machin, tout ça. On peut voir que le graphisme a un petit peu changé des armes et tout ça. Si je me trompe pas, ça fait longtemps quand même que j'ai pu jouer, mais je crois que ça a un petit peu changé. Voilà. Ensuite, niveau interface, rien n'a changé à part la petite barre qui se trouve à droite du personnage, en bas à droite. Si j'ai bien compris, c'est une barre de d'état de la zone en fait. S'il reste des nids, ça va m'indiquer en pourcentage en bas à droite. Donc ça faudra nettoyer. Et donc ils ont rajouté deux trois petites choses. Donc on va voir. On va voir ça, mais je vois que il y a des nouvelles choses. Ça je me rappelle plus du tout. Ouais, ça je me rappelle pas du tout qu'il y avait ça. Faudra encore qu'on part explorer, je pense. À voir. Pour être franc, je suis pas sûr. Est-ce que je vais continuer sur le jeu ou pas? Donc on verra bien, mais je suis pas totalement sûr. Donc ça peut être le dernier. Ça peut être le dernier épisode. Mais c'est pas sûr. Les stations. Maintenant, on voit clairement les différentes constructions. Donc ça, c'est classe. Voilà les différentes choses à construire. Les conteneurs, donc les trucs de stockage. Ouais. Et les outils. D'accord. Consommation. D'accord. Par contre. Ah, il y en a encore en bas. Ok. Je cherche les constructions. Bah, c'est vrai que les poulaillers, il m'en faut. Donc, ça faudra que je voie pour les faire. D'accord. Ça, c'est les fermes. Je pense. Ouais, tout ça, c'est les sortes de fermes et tout. Des trucs de vente, machin. Ok. Et ça, c'est les enclos. Voilà. C'est ça que je veux. Alors, on va faire des enclos. Alors, c'est quoi, version 1, version 2? Voilà, là, ça coûte bonbon. Hein. Ça coûte bonbon. Ok, ça marche. Ça je peux faire. On va juste commencer par les poulets. Alors, je les avais vus. Ouh, ces poulets. Ici. Timber et glou. Moi j'aime bien celui-ci, là, il est vachement grand. Donc on va faire celui-ci. Du timber et des clous. Alors, des timbers et des clous. Ça marche. Bah déjà des clous. Alors je sais pas, ça se... Ouais. Des timbers et ça c'est... Non. Le problème c'est que le timber... Bon, ça, vu que ça a changé, je suis pas... Bon, je trouve que c'est déjà quand même beaucoup mieux qu'avant.
Mais les timbers. Ouais, les timbers, je suis pas sûr d'en avoir. Ça, c'est du métal. Ah, j'avais un autre stockage. Tac. Timber 26. 26. Oh, peut-être que je peux les faire. C'est quoi ça? C'est juste de la déco, ça aussi? Ouais, ça doit être de la déco qui fait partie du. De ça. Alors attendez, c'était dans quoi? Voilà. Je voulais faire le gros, mais le gros, c'est des timbers qu'il me faut. Ça, c'est toujours la hache. Ok. Je présume que ils veulent toujours pas qu'on. Ouais, ils veulent toujours pas qu'on coupe le bois comme ça. Donc ça fait chier. Ça fait chier. Parce que ça veut dire qu'il faut que je trouve du bois pourri. Il faut que je me balade. Ça fait. Voilà, ça fait chier. On n'est toujours pas assez libre encore. J'espère qu'ils vont modifier ça quand même. Qu'on puisse avoir la possibilité quand même. Qu'on puisse quand même avoir la possibilité. Ah d'accord, je suis obligé de descendre du cheval. Ingrédients, matières, consommables. Voilà, c'est ça que je cherchais. Mes barres, c'est bon, plus ou moins. Ok. Ça, c'est très embêtant. Oh là là, comme ça bug. C'est très embêtant que je peux que couper que du bois mort. Ça fait chier parce que. Oui. Il y a encore du boulot à faire. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, hein. D'accord, pour moi c'est ça a l'air d'être de la saleté. Lance-flamme, mais non, ça fait rien du tout. D'accord. Tac. Ouais, le bois pour moi, le bois. Vu qu'on peut avoir des graines, on pourrait quand même. Couper le bois ou faire une forêt si on en a envie. On n'est pas assez libre. Ça, c'est vraiment dommage dans ce jeu. On n'est pas assez libre et le jeu est quand même assez vide. Ouais, non. Le jeu est quand même assez vide. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ils ont un petit peu modifié la déco. Ouais. C'est bon, ça je pense ça c'est sûr. C'est pas des bois morts mais ça je peux quand même. Je peux même pas couper ça quoi. Pour tout vous dire, dans les jeux comme ça de survie dans les jeux de survie comme ça, les jeux post-apocalypse, on devrait avoir quand même être libre. De faire ce qu'on veut. Si on veut construire là, on le construit là. Normalement, ça serait quelque chose de ce style-là quand même. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer et puis je verrai bien. Ou alors je fais un accéléré. Ouais, je vais faire des accélérés.
Ok, donc j'ai fait un accéléré tout et comme vous avez pu voir, je suis mort. Je suis mort, je suis revenu, j'ai encore exploré de nouveau, parti de l'autre côté. J'ai un petit peu exploré et je trouve que le jeu est toujours aussi vide. Ça, c'est vraiment dommage. Bon. Alors, je peux me faire des timbers. Max 45. Bon, de toute façon, j'en veux que 10. Voilà. Maintenant, c'était en bas, ici. Tac, les clous. Je les récupérais. Je vais les récupérer. Voilà. Je les avais déjà récupérés au début, mais par la suite, j'ai eu un souci. Et j'ai dû relancer le jeu sans sauvegarder. Donc, toi. Donc, normalement, je l'ai dans l'inventaire. Ouais. Ok. 8. Alors, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on peut les mettre où on veut? Bon, bah finalement non, parce que c'est rouge. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai le cheval ici? On va voir. On va voir. Non, là ça a l'air d'aller. Un peu ici, mais ça c'est parce qu'il y a sûrement des plantes qui gênent, hein. Mais ça a l'air d'aller, je peux construire ici maintenant. Mais bon, le problème, c'est juste un petit bâtiment. Si jamais je veux faire des gros maisons, est-ce que ça marche? Ça, j'en ai aucune idée. À cause de la plante. Bon. Ici, ça a l'air d'aller. Mais comme j'ai dit, les grosses maisons, je suis pas sûr que ça marche. Là, on va te le mettre ici. Tourner. Voilà. Tac, il faut que je le reprends. Ouais, comme ça. Ok. Et maintenant? Comment je mets les poules dedans? Ne me dis pas que je dois faire un petit enclos et puis mettre les poules dedans. Je peux même pas l'ouvrir et mettre mes poules dedans. La nourriture, je peux même pas en mettre. Mais c'est quoi alors? C'est juste de la déco? C'est juste de la déco, mais c'est nul. C'est nul. Bon, bah alors de toute façon, je dois avoir des poulets. Tac. J'ai des poulets qui sont dans les coffres, mais ils n'ont pas été soignés. D'accord. Ça doit être ça, alors. Ouais. Le jeu, c'est bien dans le sens où les développeurs continuent quand même à bosser dessus. Mais au lieu de modifier le graphisme un petit peu des choses, le graphisme des outils, ils devraient concentrer plus sur le gameplay. Je sais que le système de combat a été modifié. Comme vous avez pu voir, on peut faire des attaques. Des petites attaques rapides, voilà, comme ça. Et une grosse attaque. Où on reste appuyé pour faire la grosse attaque. Voilà. Ça, c'est cool. Ah, mais ils ont encore énormément de jeux de boulot pour que le jeu soit fun. Pour moi, il est trop vide.
Il devrait par contre le mettre en multijoueur. Ouais, il devrait le mettre en multijoueur. Et chaque joueur a une zone à lui pour construire. Et quand il doit explorer les zones, quand le joueur doit explorer les zones pour chercher des ressources, des animaux et tout ça, et ben s'il y a d'autres joueurs, et ben ou il y a du PVP, ou de temps en temps il peut faire des petites zones de PVE. Mais je pense que le jeu, il le mettrait en multijoueur, il serait fun. Il serait fun. Là, pour l'instant, pour moi, il est trop brut encore. Il n'est pas encore assez intéressant. Version 1, c'est le moins cher. Timber 400. Ah, c'est ça que j'ai besoin. Je sais pas du tout si j'en ai. De toi. Je sais même pas ce que c'est. Des briques. Toi, on te récupère. On peut te faire des timbers avec toi. Ce qui me manque, c'est le glace. Oh, je sais plus ce que c'est en... Ah, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, ça fait quand même plaisir que les développeurs continuent à bosser dessus. Je sais pas du tout ce que c'est. Je me rappelle que j'avais cherché ce que c'était, mais je me rappelle plus si j'en ai. Le truc, c'est qu'il y a une partie en français et une partie non français. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Timber. J'en avais 26 ici. Oh! J'en avais 26. Moi, j'aurais pu faire quelque chose. C'est pas grave. Tac, tac. Encore toi. Ok. Non, je pense pas que j'ai du glace. Ou alors je l'ai, mais je sais pas du tout ce que c'est. Des flèches. Hein? On a un autre ici. Le small poulet là. Bon, tant pis, on va le mettre avec. Hein. De toute façon, c'est pas perdu. On va voir peut-être lui, par exemple, on peut faire quelque chose avec. Mais on peut même pas l'ouvrir, rien du tout. En fait, c'est quoi? C'est de la déco alors? C'est vraiment nul. Hein. Faudra que je ferme ici alors avec des barrières. Ici aussi, tac, tac. Voilà. Ouais, je peux pas l'utiliser. Est-ce que quand il y aura les poulets, je pourrai les utiliser? Peut-être. Il faut juste les poulets, peut-être, pour que ça marche après. Peut-être que ça serait quelque chose de ce style. Je vais juste regarder alors peut-être d'accord, c'est ce que je pensais.
Là, j'ai juste vite fait regarder un petit peu ce que c'est. Et c'est du verre. Mais ouais, du verre, j'en ai pas du tout. Je. C'est quoi ça? Ah, du verre. Oh lol. Tac, ok. Matériel. Du timber. Max 36. Tu utilises quoi? Du wood log. Tu peux pas utiliser ça? C'est les wood log. Et j'en ai que 36. Non, mais vous avez vu combien de temps j'ai cherché quand même des arbres morts. Si c'est juste pour ça, pour juste un truc, c'est exagéré. Ah non, ça m'en donne quand même. C'est dommage, c'est mal expliqué. Ça m'en donne combien? 100, 200, 200, 269? Ça suffira pas. Hein. Ça ne suffira pas. Non, c'était pas toi, c'était Enclos. Ouais. Il me manque pas grand-chose, hein. Il me faut encore du bois mort. Oh, c'est dommage quoi. C'est dommage que je peux pas prendre le bois qui est là. Ça serait que moi je couperais le bois là, je replanterais des graines. Comme une apocalypse, hein. C'est pas assez ouvert. La texture de la base et la texture des animaux ont été modifiées. Oh, ils sont là aussi. Je sais que je les ai déjà attaqués. Hein, je sais pas si vous vous rappelez, mais je les avais déjà attaqués. Mais vu qu'il y a eu des mises à jour, ils me les ont remis. Bois mort. Toi, t'es du bois mort. Je voudrais au moins faire un enclos juste pour voir un petit peu ce que c'est. J'ai cru qu'il allait se barrer. Normalement, ça tombe pas par terre. Hein, genre. Ça doit pas tomber par terre. Il y a peut-être un biome pour le bois mort. Peut-être, mais. Faut le trouver. Faudrait que je prends le ballon et que je pars pour trouver le. Ok, bon, bah de toute façon. Ouais, ça c'est vraiment dommage que les ressources basiques, faut les chercher comme ça pendant des heures pour faire une construction. Ça, c'est vraiment dommage. De temps en temps, il y a un peu de bois comme ça, mais 10. Ça, c'est pas grand-chose, hein. Ce n'est pas grand-chose. On va passer par là. Poupoupou. Il y a des bois morts là-dedans. Oh là là. Ouais, il y a du bois mort. Oh là là, ici j'ai. Ici il y a une de ces pertes d'FPS, c'est incroyable. Bon, vous savez quoi, je vais faire une coupure et puis je vous reprendrai quand j'aurai le bois pour faire l'enclos. Donc, à tout de suite. Ok, c'est bon. J'ai les ressources pour me faire mon enclos.
Ça y est, j'ai mon bois, j'ai fait les timbers. Et là, je vois que j'ai plusieurs sortes d'enclos que je peux faire finalement. En plus, ceux-là, ils coûtent moins cher. On aurait déjà pu les faire. Alors, je sais pas lesquels sont bien, lesquels sont pas bien. Ça, c'est avec des vitres. Ça, c'est sans vitres. Ça ressemble. On peut même pas tourner l'objet pour voir, ça c'est dommage. Ça c'est du bois qui est vraiment pas beau, je préfère rien encore avoir cela. Ça je sais pas du tout, on dirait que les maisons sont au-dessus. De toute façon, on peut en faire plusieurs. Alors, déjà toi. Ah non, on va pas pouvoir à cause des clous. Alors attendez voir. C'est dommage, ça me tente très bien celui-ci, mais. Celui-ci, j'avais pas assez. Celui-ci, je sais pas à quoi ça sert les maisons comme ça, donc je partirai plutôt sur cela en fait. Crafter. Voilà. On va regarder encore si on n'a pas des clous. Yes! On va se refaire un deuxième. Alors, on avait fait lequel? Bon, parce que finalement, j'y suis allé trop vite. Hein. J'ai fait celui-là. Tac. Hop, 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 tac. Alors, on avait fait celui-là. Je vais faire celui-ci. De toute façon, c'est le seul que je peux faire. Celui-ci, il est bizarre. Je sais pas trop à quoi ça sert les maisons là. Mais on va voir. Tac, ça c'est bon. Forcément, ici, on va pas le faire. Moi, ici, c'est tous mes ateliers que je veux le mettre ici, mais c'est tout. Par contre, côté FPS, c'est moisi ici. Oh là là. Comment ça se fait qu'un jeu qui a pratiquement rien de contenu dedans, comment ça se fait que. Il est aussi gourmand côté FPS. Moi, je voudrais les mettre tout proche, ici. Mais la dernière fois, on n'a pas arrivé à mettre des constructions. Il fallait que j'aille jusqu'à là-bas pour les mettre. Je pense que là, on peut les construire. Ouais, non, toujours pas. Hein. Ah, ils veulent pas même. Pourquoi ils veulent pas que je construise ici? C'est un truc qui m'énerve, ça. Pourquoi ils nous obligent d'aller toujours plus loin pour les construire? Ça, ah ouais, ici ça marche. Ah, ça m'énerve. Hein. Ça, c'est un truc qui m'énerve de pas avoir la possibilité d'être libre dans les constructions. Et en plus, là, une construction aussi grande, on voit rien du tout, quoi. Je sais même pas. Est-ce qu'elle est bien placée? Je vois même pas. Là, je crois que j'ai l'arbre dedans. Pff, ouais, on va la mettre là. Hein. Ouais, ça va. Ça va. Elle se ferme automatiquement? Oui, sûrement. D'accord. Alors. Animaux. Comment ça marche? Toi. Toi. Ah. D'accord. Tac. 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 Ok. Faut quand même qu'on ne mélange pas les loups avec les autres. Je sais pas s'ils sont agressifs ou quoi. Mais les cochons, les sangliers, ça c'est bon. Les biches. Bon, en fait, attendez voir. Non, les biches, on va les mettre autre part. Vu que j'ai l'autre, on va faire ça, 5. Comment ça marche? Six. Ouais, je peux pas les mettre. Comment ça marche pour les mettre dedans?
Ouais, d'accord. Ne me dis pas que... Ah oui, ça se ferme automatiquement normalement. D'accord, les animaux là, je peux pas les mettre. Ah d'accord, c'est ça. Bah attends, on dit, ça c'est quoi alors? C'est un truc pour les lapins? Ah là, j'ai une sortie. Attendez voir. Là c'est une sortie, je voudrais pas la bouger, la bloquer la sortie quand même. Ouais, regardez, si je pourrais, je couperais tous les arbres. Ah, à partir de là. Ok, et là c'est quoi? C'est le coin des lapins en fait. Bon, je pense, hein. Ça ressemble au coin des lapins. Est-ce que le lapin au moins je peux le mettre parce que ça... Comment ça marche? Comment je peux... Impossible à mettre. Bon, ils sont guéris ceux-là. Normalement ils sont guéris, je les ai tous guéris. Neuf. Yeah. Je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas, mais bon, au moins les constructions ont été faites, c'est bon. C'est dommage que je peux pas construire là-bas. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais bon, on va donc s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je pense que c'est le dernier, franchement. Le jeu peut être beaucoup plus fun pour moi. J'ai d'autres jeux qui sont bien meilleurs côté survie, côté post-apocalypse et tout ça. Le jeu, pour moi, le jeu, s'il passerait en multijoueur et qu'il mettrait des zones que pour les joueurs, par exemple, vous avez une zone de sécurité que pour lui, que vous pouvez crafter, faire une ville et tout ça. Que les joueurs peuvent la visiter, mais qu'il n'y a pas de vol et pas de PVP. Ça peut être sympa à faire. Et en fait, le PVP, ce serait uniquement quand vous devez partir explorer sur cette zone ici, partir explorer autre part. Là, il y aurait du PVP et peut-être dans certaines zones, ce serait du PVE, mais ce serait des zones très dangereuses, vous voyez, où il y a beaucoup de PNJ agressifs. Et ça serait des zones PVE. Ça, il devrait le faire pour vraiment donner plus envie d'y jouer sur le jeu. Parce que pour moi, il est trop vide et je m'ennuie un petit peu. J'ai pas très envie de chercher des ressources pendant 2 heures pour chercher 3 morceaux de bois, 4 morceaux de bois. Franchement, c'est chiant. C'est chiant, et puis en plus les FPS, il n'y a pratiquement rien ici. Bon, c'est vrai que j'ai fait quelques constructions, mais c'est pas assez stable. Là, je tourne à 30 FPS, des fois je tourne à 15-10 FPS, alors qu'il n'y a pratiquement rien. Donc, ils ont fait une mise à jour, et je pense que c'est la mise à jour qui fait que c'est un peu moins stable, mais je pense que ça va être réglé. Hein. Vu que les développeurs bossent sur le jeu, ça devrait être réglé. Donc on va s'arrêter là pour ce let's play, cet épisode. Moi j'espère quand même que ce let's play vous a plu, même si à la fin j'ai eu du mal à revenir sur le jeu. Il reste intéressant, le jeu reste quand même assez intéressant. Faut vraiment voir qu'est-ce qui va devenir par la suite. Mais dans le style du jeu qui est maintenant, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.